New evidence continues to come to light about the brutality now sweeping Rwanda. صدرت الجبهة الوطنية الرواندية تأكيدها بأن وقف إطلاق النار The scale of the massacre has started a massive movement of refugees. Pendant des mois, au milieu de l'année 1994, le monde entier a regardé avec angoisse les scènes d'horreur du Rwanda, diffusées par la télévision jusque dans l'intimité de nos foyers. Ces images nous ont montré l'inimaginable. La crise au Rwanda a aussi marqué le début d'une des plus importantes opérations jamais lancées par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Elle a secouru plus d'un million de victimes, réfugiées dans des camps, au Burundi, en Ouganda, au Zaïre et en Tanzanie, pays voisin d'Afrique centrale. C'est en Tanzanie que tout a commencé à la fin avril. Plus de 200 000 réfugiés ont passé la frontière en l'espace de 25 heures, l'exode le plus important et le plus rapide depuis des décennies. Dans leur fuite vers la lointaine province de Ngara, ces réfugiés ont quitté un pays où la civilisation avait été réduite en pièces, dans un génocide qui allait faire plus de 500 000 victimes. Le personnel et les volontaires de la Croix-Rouge de Tanzanie ont immédiatement dirigé les réfugiés vers ce champ, à 18 km de la frontière. Ils ont demandé aux gens d'où ils venaient, et ils ont alors organisé le camp sur le modèle des communes traditionnelles rwandaises. C'était une bonne base pour l'opération de secours. En moins de 48 heures, Benako était devenu l'un des plus grands camps de réfugiés au monde. Les secours ont commencé tout de suite. Nous essayons d'installer la population pour être bien sûr qu'elle a un endroit où se loger. Ensuite, nous pourrons peut-être commencer à lui distribuer des vivres. Mais jusqu'ici, nous, à la Croix-Rouge de Tanzanie, nous avons essayé d'installer un camp et un site opérationnel. Nous avons monté un dispensaire avec des installations sanitaires. En fait, deux dispensaires ont fonctionné dès le premier jour, accueillant plus de 1000 patients par jour. What happened? You take care of, he has to be referred right away, yeah? Okay, where did they usually Dès le départ, la Fédération et la Croix-Rouge de Tanzanie ont pu développer la bonne coopération qui s'était établie 6 mois auparavant au cours d'une opération pour les réfugiés du Burundi. Des vivres avaient été stockés. En moins de 3 jours, les équipes de la Croix-Rouge de Tanzanie, aidées par des réfugiés volontaires de la Croix-Rouge rwandaise, ont organisé leur première distribution de vivres pour près de 200 000 personnes en une seule journée. Dans les semaines qui ont suivi, la Croix-Rouge a maintenu un approvisionnement alimentaire ininterrompu pour la population du camp qui avait atteint les 250 000 personnes. Ils ont distribué du maïs, des haricots et de l'huile. Plus de 200 volontaires ont participé à l'opération qui touchait maintenant environ 100 000 réfugiés. L'eau, élément essentiel pour la vie. À l'origine, la seule source près du camp était cette mare contaminée. Très vite, une unité de purification de la Croix-Rouge a pompé 12 000 litres d'eau potable à l'heure, disponible grâce à ses robinets. Une eau qui était également livrée à l'hôpital et au dispensaire. Alors que la crise continuait, dans le monde entier, des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont répondu de façon admirable en envoyant des dons en argent et en nature, ainsi que du personnel. Cet hôpital de campagne complètement équipé, tout comme l'unité de purification d'eau et son personnel, a été fourni par la Croix-Rouge allemande. Opérationnel dans les 24 heures, il est immédiatement devenu le centre de traitement des cas graves, y compris des blessures de guerre. Il comporte 8 salles, dont une unité chirurgicale d'urgence et une maternité. Dans un camp de réfugiés, la vie continue même si elle commence en exil. Thank you.
D'autres signes d'un retour à un semblant de vie normale ont rapidement fait leur apparition. Il a fallu seulement quelques jours pour qu'un marché surgisse, avec ses bruits familiers, ses discussions, de nombreux réfugiés refusant d'attendre passivement les aumônes. La Croix-Rouge était également responsable de la gestion du camp. Cette tâche était partagée par Sheila Wilson, qui dirigeait la délégation de la Fédération en Tanzanie, et son homologue de la Société nationale, Hamida Ramadani. Très vite, en signe de respect et d'affection, les réfugiés ont surnommé ces deux femmes remarquables Mama Humanité et Mama Benako. Cette opération a vraiment renforcé nos capacités, développé nos connaissances, nos techniques et notre expérience. Surtout pour la plupart des volontaires qui ont participé à cette opération. L'apport principal est venu de la Croix-Rouge de Tanzanie, mais la Fédération nous a également soutenus. Plus de choses ont été réalisées à Benako dans les deux premières semaines que ce qu'on pouvait raisonnablement espérer en deux mois. Le fait que les réfugiés aient pu garder leur dignité, ainsi que les mesures préparatoires prises avant leur arrivée, ont sans aucun doute contribué à la sécurité et à la prévention des épidémies. En moins d'un mois, la Croix-Rouge a construit un centre de réception pour les nouveaux arrivants, y compris ceux transférés des camps voisins. Un stock de vivres a été créé et des centaines de latrines creusées. 300 réfugiés ont été formés comme auxiliaires de santé et des groupes de femmes constitués. Une attention toute particulière a immédiatement été portée aux nombreux enfants non accompagnés afin de les ramener à leurs parents ou à leur communauté. Ce garçon de 15 ans, Nkunzu Rwanda, dont le nom signifie « J'aime le Rwanda », n'a pas vu ses parents depuis qu'il a été séparé de sa famille au cours d'une fuite éperdue à travers la forêt. Quand ce film a été tourné, ses deux frères étaient à Benako, au centre pour les mineurs non accompagnés depuis un mois. Leurs parents ont été emmenés, les mains attachées, sous leurs yeux. Et c'est la dernière fois qu'ils les ont vus. Les soldats ont tué mon père. Ma mère a couru dans la maison, ils l'ont tué aussi. À 16 ans, il a été témoin du meurtre de ses deux parents. Il est maintenant le chef d'une famille de quatre. Quel mot de réconfort peut-on prononcer ? Bien que l'exode se soit ralenti depuis avril, de nouveaux réfugiés continuent d'arriver en Tanzanie. Certains sont dirigés directement vers de plus petits camps dans la région. Mais Benako reste la deuxième plus grande ville du pays. Elle est animée, bourdonnante et surpeuplée. Malgré les risques persistants d'épidémies et d'autres dangers, de nombreux aspects de l'organisation et de la mise en place de l'opération de secours pourront servir d'exemple pour de futures opérations. Pendant deux semaines d'activité fébrile, les ressources ont été utilisées au maximum, mais le dispositif a tenu bon. Puis, à la mi-juillet, sept semaines seulement après la fuite vers la Tanzanie, de nouveaux bouleversements politiques et militaires au Rwanda ont provoqué un exode encore plus massif de réfugiés, mais cette fois vers le Zaïre, où la plupart des agences humanitaires ont été prises de court. En quelques terribles journées, près d'un million de personnes ont envahi Goma, transformant cette ville quelconque en capitale mondiale des réfugiés. Ils occupaient chaque bout de terrain, s'abritaient dans chaque cour, sous chaque buisson. Puis, ils ont été forcés de quitter Goma pour d'autres endroits, complètement inadéquats pour y installer des camps, comme Kibumba, le pire de tous et dont la Fédération avait pris la responsabilité. Très vite, Kibumba est devenu un endroit cauchemardesque. 250 000 personnes survivant sur un sol de roches volcaniques, sans eau, sans nourriture et sans installation sanitaire. En quelques jours, une grave épidémie de choléra s'est déclarée, tuant de 700 à 1200 personnes par jour. Le manque de camions pour transporter les corps et la dureté de la roche volcanique faisaient qu'on ne pouvait pas enterrer les morts. Pendant des jours, toutes les agences humanitaires ont eu comme tâche principale d'enlever les cadavres du bord de la route. En plus, l'insupportable odeur de mort mettait à rude épreuve le moral de tous ceux qui travaillaient dans la région. Le Rwanda était peut-être un enfer. Ce camp en était sûrement l'antichambre.
Un certain nombre d'organisations humanitaires ont réagi en disant « c'est trop énorme, on est dépassé ». J'ai pensé que c'était une des choses les plus démoralisantes à dire, et pour leur propre personnel et pour la communauté internationale. Très tôt, dès le deuxième jour, nous avons décidé de rejeter cette attitude et de dire « c'est énorme, c'est difficile, mais nous allons jeter toutes nos forces dans la bataille pour aider ces gens ». Il a bien entendu fallu un certain temps avant de mettre en place l'opération de secours à Kibumba. Au cours de ces premières terribles semaines, des milliers de personnes sont mortes, de choléra, d'autres maladies, mais aussi de soif. Bien que la Croix-Rouge ait commencé à purifier l'eau d'une rivière voisine, dans les premiers jours, un grand nombre de personnes ont manqué d'eau à cause de la pénurie de camions-citernes. Autre problème qui nécessitait une attention particulière, la santé. Kibumba n'est pas un camp de réfugiés normal, avec 30 ou 40 000 personnes dans de jolies tentes bien alignées. C'est plutôt une banlieue, un marécage, une fosse d'aisance. Au moment des pluies, nous aurons une multitude de mares, de petits ruisseaux et de l'eau stagnante partout. Ce sera un cauchemar sanitaire. 5 dispensaires ont été rapidement installés, chacun accueillant plus de 2000 patients par jour. Les Croix-Rouges norvégiennes et britanniques ont fait don de 2 hôpitaux, ce qui a également permis d'apaiser de nombreuses souffrances. De nouveau, c'était à la Croix-Rouge de distribuer des vivres. Avec 250 000 réfugiés affamés et non répertoriés, ce n'était pas une tâche facile. Très vite, on décida de faire distribuer les vivres par des chefs locaux dans leurs communes respectives. Le travail s'effectuait grâce à un réseau de volontaires des Croix-Rouges du Zaïre et du Rwanda. Dès que les réfugiés ont été répertoriés, le système s'est considérablement amélioré. Mais les gens avaient fui parce qu'ils avaient peur et non parce qu'ils avaient faim. Et c'est cette même peur qui a freiné tout mouvement significatif de rapatriement. La seule solution pour faire cesser les horreurs de Kibumba était de réinstaller une partie des réfugiés sur un nouveau site. Au début du mois de septembre, le camp de Kaindo a accueilli le premier groupe de 6000 réfugiés. Il a maintenant une population de 60 000 personnes. La Croix-Rouge enregistre les réfugiés à leur arrivée, dont les futures mamans, et fait passer des examens médicaux à tous. Elle s'occupe de programmes d'assainissement de l'eau, d'installations sanitaires, d'alimentation supplémentaire et d'immunisation contre la méningite. Bien que loin d'être idéal, les conditions se sont beaucoup améliorées dans les deux camps, dès que la situation s'est stabilisée. Ces gens ont maintenant de l'eau, de la nourriture, des abris et des soins médicaux. Je dirais que le premier mois, nous avons été débordés, les conditions nous désavantageaient. Mais petit à petit, jour après jour, nous avons amélioré les installations, puis les services. Nous avons augmenté le personnel et les épidémies majeures sont maintenant contrôlées. Nous avons créé ce que j'appellerais une zone de survie. C'est effectivement une zone de survie, mais il reste encore bien des problèmes à régler. Après 5 semaines fébriles pendant la période d'urgence, 40 sociétés nationales ont apporté leur soutien à l'opération de secours. Plus de 170 délégués travaillent avec 1000 membres et volontaires de la Croix-Rouge locale. Ils portent secours à environ 1 200 000 personnes. Afin de continuer à les aider, la Fédération internationale a lancé un appel de fonds de 92 millions de francs suisses. Je crois que ce qui nous a surpris, fait plaisir et nous a réconfortés, c'est qu'en tant que fédération, nous avons été capables de mobiliser des ressources aussi considérables. Nous avons sauvé de nombreuses vies. Nous ne saurons sans doute jamais combien. Mais d'avoir pu rendre à ces gens un peu de l'espoir de survivre et peut-être un jour de rentrer dans leur pays, je pense que c'est une formidable réussite.